compliqué. Bacilla. Là, il n'y a pas de hors-jeu. Ça peut aller vite, Souma. Mais bon, retour de Kantari. Souma encore. Souma pour l'ouverture du score. À la 98e. Avec un peu de réussite quand même, parce que la première intention est contrée et il bénéficie d'un second ballon qui va pas laisser passer. 98e minute de jeu, ce 16e de finale de Coupe de France penche d'un côté. De Gauquelin, c'est passé. Et la Chouère qui se fait contrer. Et le 2-0 avec ce but un peu gagne. Badara Sen qui enfonce le clou et qui propulse définitivement ce soir l'en avant de Guingamp en 8e de finale. Qualification de Guingamp ce soir pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Une victoire assez logique face au rival brestois. 2-0 grâce à des buts de Richard Souma et Badara Sen pendant les prolongations. En effet, cette belle victoire permet à l'en avant Guingamp d'accéder aux huitièmes de finale. Et nous avons donc récolté les interviews de Christian Bacilla, suivi de Badara Sen, Wilson Orouma et enfin de l'ex-entraîneur guingampais et actuel entraîneur de Rennes, Guy Lacombe. À toi Pierre. Merci. Badara, t'es rentré, t'as marqué un superbe but. Comment tu juges un peu ta rentrée? Bon, dans l'ensemble, ça va parce que je suis rentré, il y avait déjà 0-0. Et puis, on a eu se créer des occasions en prolongation. Donc, on a marqué les buts. Donc, je suis satisfait de mes 30 minutes. Et puis, j'espère que ça va continuer un peu plus, quoi. Plus de temps de jeu. Raconte-nous un peu ce but, parce qu'il est quand même assez fantastique. Ouais, je vois Guillaume dégager la balle. Je sais qu'ils vont pas le prendre parce que les ballons Adidas, ça fait des zigzags. Et puis moi, je suis allé pour avoir quelque chose. Et puis au bout, j'ai eu quelque chose, même si c'est de la hanche ou du dos. Donc je suis allé à fond. Je me suis arraché pour marquer ce but. Et puis je l'ai mis. Donc je suis content. On se souvient aussi que tu avais marqué un super but contre Saint-Etienne. T'aimes bien les coupes? C'est vrai, j'aime bien les matchs de coupe parce que ça me sourit un petit peu, même si je joue pas longtemps. Je jouais 30 minutes, mais là, encore une fois, ça m'a souri en Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne ici, j'avais marqué. Et puis là, je marque contre Brest en Coupe de France, donc j'espère que ça va continuer, quoi. La prochaine fois, je marquerai encore. Ok, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai, je crois que sur l'ensemble du match, la première mi-temps, elle a été difficile pour nous. On n'arrivait pas à se trouver, il n'y avait pas trop de lien entre les lignes, mais on a été costaud, on n'a pas quand même concédé de très grosses occasions. Puis après, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Je crois qu'on les a bien fatigués. On a eu des occasions. On commençait à sentir les Brestois fatigués. Et puis dans les prolongations, on a fait la différence logiquement. Donc je crois que c'est mérité. Je crois que sur l'ensemble du match, il n'y a rien à dire. C'est bien, on est sur une bonne dynamique. Et c'est important pour la suite, surtout du championnat. Tu as dit que vous étiez sur une bonne dynamique. Vous n'encaissez pas beaucoup de buts non plus depuis un certain temps. Ouais, c'est clair. Je crois qu'on est costaud. On est costaud défensivement. C'est un bon bloc. Je crois que cette année, là, on a bien démarré l'année, on n'a pas pris beaucoup de buts. Donc c'est bien, il faut continuer, mais ça, c'est tout un travail, le travail de chaque semaine. Et aujourd'hui, le travail paye, donc c'est bien. Ok, je te remercie. Bon, Wilson, une petite question, parce qu'on sait que tu es pressé. Toi, tu as connu des Marseille-PSG, tu as aussi connu des finales de Coupe de France. Est-ce que c'est la même adrénaline pour un Guingamp-Brest? Ah, tu sais, c'est pas les mêmes contextes parce que au podium, tu sais, il y a les publicités, la télé, il y a des, c'est une grande ville, des mondes, il y a tellement de monde. Mais un derby, c'est un derby. Et tu vois, ce soir, Guingamp-Brest, c'est toujours un derby qui est toujours, qu'il faut porter. Et si tu portes pas un derby, c'est pas un derby en fait. Tu vois? Et Marseille, Paris, c'est comme Brest et Guingamp-Brest, des choses comme ça. Ok, bah je te remercie. Merci. Donc Monsieur Lacombe, victoire 2-0 de Guingamp. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match?
Bah, c'était un bon match au plan technique. Il y a une bonne élaboration des deux équipes. Après, c'était très équilibré. Mais c'est vrai qu'il manquait un peu l'avant-dernière ou la dernière passe pour décaler. Et je pense que Guingamp, par le biais de Wilson notamment, a décalé un peu plus souvent les attaquants guingampais. Et sur l'ensemble du match, surtout en fin de match, je pense que la victoire de Guingampais est normale et tout à fait logique. Vous êtes venu là en simple visiteur ou pour superviser quelques joueurs ? Je suis venu d'abord parce que c'est des amis, notamment Eric qui m'a invité. Et comme Alain Blachon venait au stade, on retrouve le trio ancien Guingampé. Voilà, et après, bon, c'est vrai que c'est un match de football, donc on regarde aussi les joueurs qui sont sur le terrain. Enfin, vous avez quitté Guingamp en 2002 sous l'ordre avec Drogba et Malouda. Quel regard vous portez sur Guingamp à présent ? Bah, c'est vrai que le stade a été assez... il est devenu encore plus beau, les spectateurs sont encore là. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas l'engouement de la première division, mais bon, ça fait partie des choses que Guingamp doit assumer, parce que c'était déjà un miracle d'aller déjà en Ligue 1. Et voilà, je pense que c'est aussi important que ce club perdure en Division 2, en Ligue 2, parce que c'est déjà un très bon niveau professionnel. Ok, bah merci beaucoup.